c'est une belle opportunité de s'engager dans une aventure tous ensemble. En fait. Et on y va, c'est parti, l'aventure à pied via voile démarre aujourd'hui. Ah là 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 là. L'ADN de ces projets, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ces bateaux, ces hommes, l'humain. En plus, quand on associe des belles causes comme les Petits Princes, on a le cœur serré. Quand on pense à tout ce qui s'est passé depuis 12 ans aussi, j'ai fait une allusion à Gérard André qui a porté ces projets et c'est un grand bonhomme. Il a permis tout ça et c'est pas un hasard non plus. Si c'est un Charlie Dalin avec sa sensibilité qui est là, skipper de ce bateau, ben, forcément, l'émotion elle est partout. C'est justement ce qu'on veut vivre, des émotions. Pas rêver mieux pour réaliser ce rêve. Un super partenaire qui est vraiment très présent, qui nous suit à fond dans tout ce qu'on fait. J'ai une super équipe, ça nous a permis d'être très rapidement opérationnel. Et ouais, je pense que là, on est vraiment dans des très très bonnes conditions pour les 4 ans du projet. Et on a un très beau skipper aussi. C'est pas à moi de le dire ça. Il y a des valeurs qui sont communes avec ce que l'on fait, nous, auprès des enfants malades. Il y a le courage, il y a l'énergie, il y a la bienveillance. Et il faut être un sacré compétiteur pour partir comme ça en mer, seul. Et c'est vrai qu'un enfant malade, même s'il est entouré, évidemment, il va traverser cette maladie aussi tout seul. Donc c'est une aventure où on est très, très fiers qu'Apivia soit à nos côtés. Ce n'est pas forcément toujours facile de grandir. Il faut que ça soit dans l'enthousiasme, dans l'envie de passer des étapes. Et donc, on grandit tous ensemble. Et c'est symbolisé par aussi de nouveaux projets, de nouveaux horizons. C'est un monde d'engagement. Qui a cru, qui croit toujours aux hommes. Que cet engagement, c'est surtout grâce à lui. Ça pousse l'humanité en avant. Donc à ce titre-là, c'est des machines à rêve. Et le rêve permet à l'enfant de garder sa propre identité, de ne pas être qu'un enfant malade, de pouvoir rêver, de pouvoir se projeter et surtout de pouvoir vivre. On va se faire plaisir, on va emmener avec nous les salariés, on va emmener avec nous les délégués, on va faire vibrer tout le monde. Et puis ben Charlie, il fera le reste. Et on sait très bien que s'il peut gagner, il le fera. Mais on sera derrière lui, quoi qu'il arrive. C'est une journée vraiment symbolique dans le projet IMOCA. Elle s'est faite avec beaucoup de collaborateurs qui étaient présents. D'Apivia, du groupe Massif, et c'était un très beau moment. Ouais. Dans Apivia, il y a Happy, donc c'est une équipe qui est joyeuse, et c'est extrêmement important pour accompagner une famille où il y a un enfant malade, que la joie elle soit là. Il va emmener Apivia sur toutes les mers du globe, le plus loin possible, le plus vite possible, on l'espère, mais oui, tout à fait une grande fierté. Apivia, Himoka, Charlie Dalin. Apivia, Himoka, Charlie Dalin.